C'est l'affaire. Attendez, vous n'allez pas aller à cette fête quand même. Elle a clairement invité tout le monde sauf moi, juste pour me narguer. T'es sûre de pas avoir fait quelque chose comme mériter de ne pas être invitée? Quoi? Je suis toujours tellement gentille avec Plenosas, même si c'est un horrible, horrible monstre. Tu as raison, Belle. Si on n'est pas invité en tant que famille, aucun de nous ne devrait y aller. Quoi? Merci, c'est gentil. Oui, c'est la seule chose à faire. Même si c'est le plus parfait de tous les cappuccinos dans l'histoire de la science. On n'a pas besoin de la fête de Plenosas pour passer du bon temps. On va faire notre propre fête juste ici à la maison. Wouhou! Je viens d'atteindre la tranche d'imposition supérieure. Bulle, tu me dois 50 000 $. Oh, allez, ce soir on passe du temps en famille. Je sais de quoi manque cette fête, de trucs à grignoter. Que diriez-vous de biscuits sans sel et d'un peu d'eau tiède avec une rondelle de citron? Belle, laisse tomber. Pourquoi tu nous laisses pas aller au salon pour regarder la télé? Ça, c'est une idée géniale. Bien le bonsoir. Nous sommes en direct avec vous pour un flash spécial. La fête anniversaire des 6 ans de Plenosas est la plus géniale qu'on ait jamais vue. Wouhou! Voici la limace. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Elle semble courir à toute vitesse. Elle est souvent décrite comme le plus ennuyeux de tous les animaux. Mais pas quand elle est à la fête de Princesse Plenosa. La limace fait la fête. D'accord, plus de télé. On va juste rester assis là et se regarder les uns les autres comme une famille. On commence à être un peu à court d'eau tiède. Je vais aller en chercher au magasin. C'est pas la peine, professeur. Je vais en prendre au robinet. Ce cappuccino est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Comment il a osé? C'est un traître. T'en fais pas, Belle. Je vais aller là-bas et lui dire franchement ce que je pense. Merci beaucoup, Rebelle. Je pense que je le trouverai. Bulle, tu vas rester avec moi, non? On s'amuse bien, non? 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 Bien sûr. Non, Belle, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Bulle, je ne vais pas me retourner. Oh, d'accord, bon. Il faut que je parte. Une machine à barbe à papa géante. C'est comme flotter sur un nuage. Je sais, oui. C'est pas génial, ça? Oh, je me sens super mal pour celle que je n'ai pas invitée. La pauvre Belle. Ah, ça suffit. Cadeau suivant, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire, princesse. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un petit copain en cornichon. C'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris 12 heures. Oh, ravi que ça vous plaise. Salut, Plenosas. Tiens, tiens, regardez qui vient se montrer. La seule personne de Townsville qui n'a pas été invitée à ma fête. Une petite seconde, tu as fait la queue avant de t'incruster. Je ne m'incruste pas à ta fête minable à laquelle je n'ai pas été invitée. Je suis venue récupérer ma famille pour qu'on passe du temps ensemble comme une vraie famille. C'est quoi ce truc? Un glaçage indestructible. Le dernier cri en matière de pièges technologiques pour super-héroïne. Je savais que tu finirais par te montrer. J'avais besoin d'un petit peu de temps pour capturer tes sœurs. Coucou, Belle. Salut, Belle. Les filles, sans toi à leur tête, elles sont tombées tout droit dans mon piège. Tout comme toi. Maintenant que vous n'êtes plus sur ma route, je vais enfin voir mon plus beau vœu d'anniversaire se réaliser. Être la seule et unique super-héroïne de Townsville. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Le professeur est ici, il nous sauvera. Je crois qu'il doit être plutôt occupé en ce moment. Encore. Je vous avais dit que Plenosas avait une idée derrière la tête. Ouais, bah je préfère être attachée ici qu'enfermé à la maison à jouer à ton jeu idiot sur les impôts. Je suis d'accord avec elle. Hey, ce jeu est... Silence! C'est le moment d'allumer ma bougie, qui en fait est une fusée qui va vous envoyer tout droit dans le soleil. C'est pas cool. Quelqu'un peut venir nous aider? Bye bye les super nanas.